Daar zit Ron. Is je Mart? Is je daar, Mart? Kijk hier. De meneer is aan het filmen. Doei, Jean. Hey. Gewoon een zee. Ja, hè. Oei. Peter Bleusen. Vos applaudissements pour Boris Karat, vainqueur de l'épreuve, 23 km. Merci Boris. Alors évidemment, bon, deuxième classement de cette épreuve, Annelies Dervaux. Et la troisième, Eva Bowen. Encore évidemment, voilà les trois premières. Toutes nos félicitations. C'est vous aussi une première victoire, vous avez habitué les podiums. Oui, cette année, c'est mon première victoire. Vos ambitions pour la saison? Bon. Le programme? Programme, Gagner. Voilà, la dernière place. Winner. Gagner. Bon, il a remporté le classement général. Donc il ne fait pas les choses à moitié. Alors le deuxième, ce sera Geoffrey. J'essaie de me retrouver dans mon classement. Voilà, très bientôt. Voilà, on va féliciter le Saint-Laurien présent pour sa magnifique course en Master 3, surtout que finalement. Et Masters 3, et il fait troisième au général, premier de sa catégorie, Rudy Gintjens. Réventat, premier de sa catégorie, mais troisième du général. Le deuxième est Jean-Luc Rossignol, qui termine 15e au général. Et le troisième, Frans Moors, qui termine 21e du général. Et Frans Moors, il n'est pas là? Franske. Et voilà, nous avons fait un podium complet. En tout cas, félicitations parce que troisième derde, t'es mooie. Alors Franske, ça c'est un extraterrestre. Phénomène, ah oui. C'est notre photographe ici depuis des années, donc il est très précieux pour l'organisation, mais en même temps, 21e au général, 21e. Algemeen, hein. C'est formidable. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Et en particulier, notre Franske national. Bravo. Et encore un grand merci. Pour les 45 km, eh bien, nous allons également procéder à la remise des prix. Pour Joris Massard, le grand vainqueur de la Hallandienne. Et voilà, en tout cas, une belle progression pour le vainqueur ici, Joris Massard. On espère revoir l'année prochaine, j'espère. Hein. Officiat, bon retour et à très bientôt. Merci. Le grand vainqueur de cette journée hallandienne. Nous allons enchaîner maintenant par la catégorie des dames et j'appelle Mieke de Roo, première, deuxième Sophie de Wulf et troisième Daphne van den Brand. Et voilà, bien sûr, ça sous vos applaudissements très nourris. Parce que pour les dames, c'est vraiment pas très très dur. Donc, le trophée pour Daphne van den Brand, qui est ex-championne de Belgique, et peut-être aussi future championne de Belgique. Elle espère évidemment, on ne peut que lui souhaiter, surtout que les maillots sont encore plus beaux comme ça, avec la bande tricolore, c'est vrai que, allez, c'est pour cette année, on a vu un nouveau titre de champion de Belgique. La deuxième, c'est Sophie de Wulf. Ben, très belle course aussi pour vous. Félicitations, et c'est le même club. Je vois que dans le club, chez vous, on a vraiment des champions. Hein. Oui. Eh ben, on espère que ça va continuer. Et on espère, bien sûr, vous revoir l'année prochaine. Oui, certainement. Allez,
tant mieux. Comme ça, la course sera encore plus belle. Merci beaucoup et encore vos applaudissements. Merci. Et Benny van Genechten. Voilà, donc premier Joris Massard, deuxième Grégory Van Sinaï, troisième Benny van Genechten. Un très beau trio de champions ici à Grand-Leu. Premier, Gody Jacob. Deuxième, Kurt Tenst. Et le troisième, Wouter de Klerk. Qui nous vient de quelle région? Région de Bruges. Bruges, vous avez beaucoup de participants ici aujourd'hui. Il y a 7 ans. C'est la première fois que vous venez ici. Hein. Okay. C'est déjà, à mon avis, le 8e ou le 10e fois, je ne sais pas. John Sunan, Eric Ebers et Marc Détail. Merci. John Sunan, le vainqueur de la catégorie des Masters 3. Masters 2, pardon. Ah, là, je suis en train de vieillir, moi. Masters 3, c'est plus tard. Hein. Et alors, vous êtes content de votre succès aujourd'hui en catégorie Master 2? Oui, c'est une belle course et c'est mon troisième victoire cette année. Je suis content. Déjà la troisième cette année? Oui. Ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres encore, je pense. Ouais, le fond est bon, mais il n'y a plus de concurrents. Exactement. Il n'y a pas de concurrents, mais les absents, ils ont tort. C'est bien ce que je pensais aussi. De toute façon, personne ne le sait, ça n'a pas de concurrents. Enfin, il y en avait quand même beaucoup aujourd'hui. Hein. Vous pouvez reconnaître. Hein. Est-ce que vous pouvez dire que c'est un concurrent de taille? Oui, tout à fait. Oui, vraiment très fort. Marc de taille pour le film, vous avez un concurrent de taille. Hein. Le deuxième, c'est Eric Evers. Eric. Deuxième, c'est pas toujours la plus belle place, c'est mieux le premier. Deuxième, c'est pas une belle place, c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais John, c'est le plus fort et c'est le plus fort, tout simplement. En tout cas, c'est très sportif de reconnaître, voilà. Et puis de toute façon, quand on est sur le podium, et comme le disait Marc, quand on a affaire à des coureurs de taille, on ne peut que s'incliner. Hein. Voilà. En tout cas, encore les applaudissements pour ces jolis trio de champions. Messieurs, merci bien. Je vous espère évidemment aussi à l'année prochaine. Je vais la noter. Encore le classement des juniors. Le deuxième, c'est Peter Geltens. En principe, les juniors, ce sont les seniors et champions de demain. Est-ce que, je dirais David, tu peux confirmer ce que je dis maintenant? Donc, tu es un champion de demain en catégorie senior, c'est possible? Il est très modeste. Ouais, bah oui, encore un an junior, puis là, oui, il est pas mal, puis... Il y a plus de sport, des ambitions, donc, et alors, on va tirer un premier prix. Oui. Voilà. Une pompe. Marik, wat is gaan we met hem? Ja, het is 29e. Drie minuten, dat gaat er dicht. Ja. De jongen is heel ontgoocheld. Ik had het er bijna gewonnen.